Bonjour tout le monde, bienvenue. Aujourd'hui, on va parler de la montre connectée Samsung Galaxy Watch Active 2. C'est une montre qui existe en deux matières, en acier inoxydable ainsi qu'en aluminium. C'est une montre qui est compatible avec toutes les Android de version 5.0, avec une mémoire de RAM minimum de 1,5. Cette montre-là, ce que vous voyez sur la vidéo, elle est conseillée pour les femmes d'une taille de diamètre de 40 mm et pour une taille de poignée de main de entre 45 mm et 65 mm. Ça existe en taille plus grande pour les hommes. Et cette montre-là, elle est très très légère. Et moi, je la trouve, voilà, superbe. J'ai essayé, je la trouve superbe. Je vais mettre une autre vidéo pour vous montrer toutes les fonctions de la montre, toutes les applications qu'il y a dessus, tout. C'est moi, honnêtement, je trouve ça, je la trouve trop géniale. Et on va ouvrir le paquet ensemble et on va parler moi, je trouve que des avantages pour cette montre-là. Allons-y ensemble. Comme vous le voyez dans l'emballage de la montre, il y a trois petits cartons et dans chaque carton, il y a quelque chose. Bah là, comme vous voyez, c'est bien sûr la montre. C'est envoyé comme ça, sans le bracelet. C'est à nous-mêmes d'installer le bracelet. En fait, vous allez voir que le bracelet, moi, je l'ai pris en cuir. Bah, sinon, vous pouvez opter, ça veut dire le bracelet de la montre, vous pouvez l'accessoiriser quand vous voulez. Vous pouvez choisir la couleur que vous voulez. Moi, j'ai choisi une montre d'un fond noir avec le contour rose. Et le bracelet, bien sûr, il va être rose. Après, c'est à vous le choix de mais moi, la couleur rose, honnêtement, c'est pas un rose rose, c'est un rose doré et c'est très 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 sympa. Passons au deuxième petit carton. Dedans, il y a le bracelet. Moi, je l'ai pris en cuir. Le bracelet en cuir, c'est un petit peu. Sachez que le bracelet, vous le payez. Moi, honnêtement, moi, je l'ai payé en plus parce que j'ai pris un bracelet en cuir pour la transpiration et tout ça. Et vous allez voir, c'est le bracelet. Il y a une petite molette. On peut tirer dessus pour quand on va installer le bracelet. C'est très facile à installer. Et moi, j'ai dit, oh là là, je vais rayer ma montre et tout ça. Mais non, pas du tout. Le troisième petit carton, c'est le chargeur. Le chargeur, il est différent de celui qui était avant. Il est en clé USB, comme un fichier USB. Bah moi, c'est ce que je trouvais un petit peu dégueulant. Pour le prix de la montre, ils ne vendent pas l'adaptateur de clé USB du chargeur. Ça veut dire qu'il faut que vous l'achetez à part. Le quatrième carton, c'est le flyer, le guide d'installation de la montre. Le guide pour votre montre, ça existe en deux langues, en français, en anglais. Et là, comme vous voyez, la petite molette qu'on peut tirer dessus pour installer le bracelet de la montre. Vous allez voir, c'est très facile à installer. Quand vous pouvez regardez, même le petit crochet de la montre, elle est rose. Ça va avec le contour de la montre. Mais ça rend très 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 sympa, vraiment. Ce que vous voyez là derrière la montre, c'est le capteur cardiaque. Après, on va passer ensemble pour voir comment connecter la montre avec notre téléphone.
Bah, une fois qu'on installe le bracelet, on peut appuyer sur le montre en bas, reste un petit peu appuyé quelques petites minutes et la montre va démarrer et va nous demander d'installer une application sur notre Android et c'est parti pour la configuration de la montre avec le téléphone. Vous allez voir. Bah après, on va dans notre téléphone et dans Play Store et on télécharge l'application Galaxy Wearable. Et après, on suit les instructions que nous demande le téléphone. Bien sûr, quand vous installez l'application, vous allez voir qu'il y a plusieurs montres qui vont s'afficher. Il faudra choisir la montre si s'afficher dans le premier Active 2. Parce qu'il y en a d'autres montres que cette application peut colléguer avec le téléphone. Bah, du coup, il faudra choisir la bonne montre, ça veut dire le Active 2. Et monsieur, vous avez d'autres montres, vous choisissez la marque de montre connectée que vous avez. Et c'est très facile à colléguer. Et comme je vous ai dit, après, je vais vous mettre un deuxième vidéo pour vous mettre les avantages de cette nouvelle montre. Sachez que cette nouvelle montre, elle est, on peut nager avec. Voilà, oui. Bah, je vais vous montrer dans la deuxième vidéo comment ça se passe, les avantages. N'hésitez pas de liker la vidéo si vous avez aimé et n'hésitez pas de partager aussi. Salut, au revoir. Excusez-moi, j'ai oublié de vous dire que une fois qu'on installe cette application entre le téléphone et la montre, ça veut dire si on perd la montre, on peut la chercher par le téléphone, et si on perd le téléphone, on peut la chercher par la montre. Ça veut dire il y a une fonction sur la montre ainsi que sur le téléphone. Une fois qu'on la lance, ça lance une sonnerie, et voilà, vous retrouvez ou bien votre montre ou bien votre téléphone.